J'espère que vous allez bien. Donc, vous venez de voir le costume que je vais mettre aujourd'hui. Pour la plupart, vous avez dû vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, aujourd'hui, on ne fait pas de la danse orientale classique. On va faire un shabby. Et bon, je pense que la plupart, vous ne connaissez pas ce type de danse. Je vous avais déjà dit hein, que dans la danse orientale, il n'y a pas que la danse orientale que vous connaissez. Il y a plein de danses différentes. Il y a plein de folklore. Moi j'estime que c'est une sorte de folklore le shabby. Donc là je me suis mis en bas parce que monsieur fait le ménage en haut, il fait plein de bruit, ça m'énerve. Le make-up va être assez simple puisque vous avez vu le costume est gris et noir. Donc vous en avez déjà vu plein de make-up gris et noir. Par contre je vais utiliser cette petite palette là que j'ai achetée il n'y a pas longtemps parce que j'ai envie de tester cette teinte holographique. Donc je commence par donc dans la palette de Layla Cosmetics You Are Rarity. Juste la teinte noire, vous pouvez prendre n'importe quel noir, là c'est vraiment pour intensifier mon make-up. Donc le shabby c'est quoi? Alors si ça vous intéresse d'en savoir plus, l'historique, tout ça, je vous laisse aller voir sur internet, vous aurez plein d'infos. Ça s'écrit S-H-2-A-B-I. Et donc, je pense que vous en doutez un petit peu avec le costume hein, qui est en un jean, finalement un jean retravaillé. C'est une danse de rue en fait. Ça pourrait s'assimiler à comme nous, où vous allez dans certains quartiers, vous traversez une rue et il va y avoir là des gens qui font du hip-hop. Voilà, tout simplement. Et bah c'est pareil, là ce serait une sorte de danse de rue, mais un peu plus orientalisée avec des musiques plus orientales. Mais voilà, c'est des musiques où on peut s'éclater un petit peu quoi. On n'est plus dans forcément la grâce avec les pointes et les mains qui se terminent bien. On y va là, c'est les pieds dans la terre et puis on est parti. Ensuite, pour intensifier un petit peu, parce que j'ai vu qu'en fait dans la palette c'est surtout des paillettes, donc je pense qu'on va voir à travers. Donc en dessous je vais mettre une fard à paupières liquide de BH Cosmetics, la teinte BFF. Donc c'est un argenté tout simple, mais je pense qu'il y a vraiment besoin d'une base aux paillettes. Je laisse sécher un petit peu et je vais venir retravailler du noir. En attendant, je vous explique très vite fait, bientôt, c'est-à-dire peut-être une fois sur deux, je sais pas trop comment je vais organiser ça, mais je vais mettre un petit peu plus de folklore effectivement dans mes danses, puisque j'ai envie de changer un peu. Je pense que vous avez vu pas mal de danses orientales classiques là depuis le début, alors qu'il y a plein de petites choses à côté que j'aimerais bien vous montrer. Donc je sais que prochainement, il va y avoir du Khaliji, l'Iraki aussi. Donc vous inquiétez pas, c'est pas que je deviens folle, c'est pas que je pars en délire, c'est normal, ce sont des folklores et je pense que c'est bien de vous faire découvrir ça. Bon, alors je redégrade un petit peu et en même temps je vais venir intensifier un peu à ce niveau-là. Hop. Bon, c'est pas exceptionnel, mais à la fois. Aujourd'hui, ce ne sera pas un make-up exceptionnel, hein, clairement. Je vais prendre mon petit Fix Potion de Carla Cosmetics parce que j'ai peur que les paillettes, sinon elles tombent. Et je vais en appliquer un tout petit peu par-dessus. Bon, vous me direz, il colle un petit peu le fard à paupières liquide. Donc, je pense que ça aurait quand même collé un peu les paillettes. Mais bon, je préfère rajouter un petit peu, histoire d'être sûre que ça va. Ah, il y a Pixie qui a envie de rentrer. Voilà, donc là, comme je vous disais, je vais prendre la teinte qui s'appelle Buyo. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est Buyo. Voilà, donc c'est la teinte là. Ouais, c'est vraiment un topper. Hein. J'ai bien fait de mettre autre chose en dessous parce que sinon, on n'aurait rien vu. C'est léger, mais c'est plutôt joli.
En fait, j'hésite pour intensifier le make-up de mettre aussi sur cette partie-là. J'ai peur que ça fasse un peu too much. Je me le tente un petit peu avec un pinceau pour pas aller trop loin et pas en mettre trop. Ouais, si, ça peut faire sympa. Attends, on va en mettre un petit peu légèrement. Ouais, c'est joli aussi en juste au niveau de l'arcade de rajouter un petit peu de paillettes. Si, si, j'aime bien. J'aime bien, c'était une bonne idée. J'avais envie de changer mon eyeliner, enfin, par rapport à d'habitude. D'habitude, pour la danse, je fais un truc comme ça. Là, j'ai envie de faire ça et de repartir en dessous pour avoir un air peut-être un petit peu plus méchant. Non, je dis ça parce que c'est comme c'est de la danse de rue, ça attaque un petit peu plus. Donc, je vais réfléchir. De toute façon, c'est de l'eyeliner, donc je le fais off caméra et puis je vous reprends juste après. Bon, écoutez, je suis pas hyper douée avec les liners. Je m'appelle pas Marion Caméléon. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais un truc qui se voyait un peu plus, mais bon. Je mets un petit peu de mascara, donc le Lash Alert de Ayeko. Et on est donc parti pour le teint. Alors, je vais prendre en fond de teint le Physicians Formula. Celui-ci, c'est quoi déjà? Le Nude Wear. J'adore ce fond de teint. Il est trop bien. Donc, petite info également concernant la musique. Pour les personnes qui passeraient par là et qui parlent arabe, vous allez reconnaître que ce n'est pas une musique arabe. Enfin, la chanson. Les paroles ne sont pas arabes. Et d'ailleurs, sur le coup, avant de vouloir faire cette musique, j'ai cru que c'était indien, les paroles, parce que ça vient. Ça sonnait un peu indien, je sais pas pourquoi. Et en fait, non, non, j'ai vérifié, et c'est turc, mais ce n'est pas la langue turque classique, c'est un patois turc, voilà, tout simplement. Un petit coup de concealer, mais justement c'est très bien pour, vu que j'ai fait mon dessous de l'œil là tout de suite, je vais prendre le To Be, le concealer de la marque To Be. Tout simplement. Il n'est pas très très clair, il ne change pas grand chose au make-up celui-ci, mais bon. Poudre, je prends la The Powder Room de Pretty Vulgar. On passe au bronzer, donc j'ai pris le Park Ave Princess de Tarte. Essayez d'y aller là parce que je trouve que j'ai le teint un petit peu pâle. Hein. Réchauffer tout ça. Donc j'ai déjà fait ma queue de cheval puisque je vais mettre une queue de cheval. Et vu que je vais porter une casquette. Je vais mettre aussi un blush qui va me réveiller un peu, qui n'est pas forcément coloré au niveau des rouges roses. C'est des teintes un petit peu comme ça, mais je pense que ça va réchauffer mon visage. Donc ça, c'est The Color Institute. Ça ne sert à rien que je vous en parle, vous ne le trouverez pas. Je l'avais vu dans un calendrier de l'Avent Carrefour, quand j'étais pas encore à fond dans le make-up et que... Aujourd'hui, je rachèterais pas un calendrier de l'Avent Beauté Carrefour, mais... Mais à cette époque, ça m'avait plu. Voilà, là, ça a bien réveillé mon teint. Highlighter, j'ai pris la palette de BH Cosmetics, la Glowing in Greece, et je vais prendre la teinte Athens, donc celle-ci. J'ai mis des paillettes. J'ai oublié. Ça me fait penser que je n'ai rien remis en coin interne. Nous allons devoir remédier à ça tout de suite. Je vais remettre du fard liquide parce que sinon je pense que ça ne va pas se voir assez et en coin interne on a envie que ça mette un point de lumière.
Bon, au niveau du make-up, on est bien d'accord que j'ai fait déjà beaucoup mieux par avant. Tant pis. Je vais mettre des faux cils et puis je reviens juste après pour la bouche. Voilà, donc mes faux cils sont mis et je vais venir prendre un rouge à lèvres rouge orangé. Donc celui-là, je l'avais acheté chez AliExpress, donc j'ai pas de référence. Et voilà, je vais finir de me préparer, on se retrouve pour le tout. Katıla katıla bir sözünü geçiremedim karına.